Et voici un Pleurotus ostreatus, le pleurote en forme d'huître. Voici l'échappeau, mesurant de 2 à 30 cm, d'aspect variable selon les conditions climatiques, pouvant être brillant ou mat, comme ici, beige à gris bleuté et souvent gris-brun. Là, on a des spécimens de couleur plutôt gris-brun. Voici les lames décurrentes, serrées, blanchâtres puis grisâtres. Le pied de 1 à 5 cm est court et latéral, parfois absent comme ici, blanc, souvent hirsute. La chair est blanche, immuable. La saveur est douce, l'odeur est agréable de champignons. On retrouve le Pleurotus ostreatus en touffe, sur tronc mort de feuillus ou vivants. Ici, on est sur un spécimen de châtaignier mort. Le Pleurotus ostreatus est un bon comestible, vendu souvent sur les marchés, mais il a une couleur très variable, il n'est pas toujours facile à reconnaître. Donc voilà pour cette vidéo concernant le Pleurotus ostreatus, un très bon comestible. Bonne balade et bonne cueillette.